Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer d'avancer cet enclos là qu'on avait dit qu'on ferait pour des gorilles. Je ne sais plus si j'en avais pris d'ailleurs. Oui, j'avais pris des gorilles. Donc, on va essayer de faire l'enclos pour ces gorilles. Là, je vois que j'ai. Pourquoi je ne peux pas l'échanger, lui? Un buffle mâle, ah je l'avais peut-être, c'était peut-être un mâle que j'avais récupéré pour mettre, pour amener dans l'enclos, donc on va l'envoyer. Hop, et les gorilles, on va mettre en place ça. Alors on avait commencé à creuser une espèce de tranchée ici, on avait dit qu'on leur ferait une espèce d'abri grotte ici. Donc c'est peut-être ce qu'on va commencer par faire. Ouais, on va commencer par faire ça. Alors là, on va prendre dans la nature les rochers. Hop. J'avais pas vu ça. C'est des branches d'arbres en rocher. C'est fun. Aquatique. Ok. Du coup. Ah, il y a des trucs tout près comme ça. C'est dommage qu'il n'y a pas des trucs comme ça. Des trucs qui ressemblent à ça, mais. Dans les autres, dans les autres thèmes. Du coup, moi je vais désactiver, plan désactivé, voilà. Je veux juste les climats tempérés. À quoi ils ressemblent ces rochers là? Ils sont pas mal. Taïga. Taïga, ils sont sympas aussi. Ils ont un peu plus de granularité, je dirais. Alors que les tempérés, ils sont plus. On va se mettre au soleil. Ouais, ils sont plus lisses ceux-là. Alors que ceux-ci. Ils sont un peu plus granuleux. J'aime mieux ceux-là pour faire des trucs au gorille. On va utiliser ceux-ci. Allez, donc on va commencer. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est. Ici, ça va être chaud. On va enlever ces rondins. On va dire qu'on n'en a pas besoin. Ils étaient bien là au début, mais maintenant, ils me servent à rien. Hop, et ça, on va pouvoir le planquer dans une pierre d'ailleurs. Ouais, alors on va retourner dans la nature. Hop. Les gros rochers, ils sont ici. Là, on va pouvoir faire un truc genre comme ça. Il a pas trop une face lisse, lui. Si, comme ça. Ah, c'est pas très lisse, ça. Il y en a un qui a une face bien lisse, je crois. Tu as par exemple celui-ci. Celui-là, il a une face bien lisse. Je crois qu'il y en a un qui est encore mieux. Celui-là. Ah, celui-là, il a des faces bien bien lisses. Voilà. Lui, il va bien. Lui, il est nickel. Voilà, comme ça. Clac, comme ça, on est bien. Là, on va laisser nos petites décos. Là, c'est sympa. Donc, il faut qu'on en trouve un qui est. Enfin, qu'on trouve des rochers qui soient pas trop larges. Alors attendez, hop, clac. Voilà, on va essayer de mettre un peu de. Voilà. Alterner un peu nos rochers quand même. Là, créer un espèce de petit coin sympathique. Hop. Alors, là, il faut qu'on colle avec notre escalier. Voilà, comme ça c'est nickel. C'est le même, non? Pas tout à fait. Non, ça va pas, ça. Faut que je peux les. Faut que je pense que mes rochers, je peux aussi les tourner dans l'autre sens. Il n'y en a pas beaucoup de la taïga là où c'est qu'ils sont éparpillés comme les autres. Il y en a certains qui sont
pas toujours au même endroit. Enfin, ils sont un peu mélangés. Par exemple, là, il y a désert rouge, et après, il y a de nouveaux déserts. Alors, taïga, est-ce que c'est un peu pareil? Taïga. Toundra. Ah, mais j'ai pris toundra, moi. Ah, j'ai pris toundra au lieu de taïga, mince. Alors, on va recommencer. Toundra, ouais, moi je voulais taïga. Parce que c'est grave. On va laisser cela-là, hein. On va pas s'embêter à tout changer. J'ai repris toundra en plus. Moi je voulais taïga, voilà, comme ça. Ça c'est mieux. Ça c'est bien. Hop, clac, on va juste bouger un petit peu cette arme-là. Ça me plaît pas trop, moi j'aimerais mieux le voir par là, cette arme. Hop, voilà, comme ça. C'est très mieux. C'est très très mieux. Alors maintenant. Maintenant, on va essayer de mettre nos rochers. Hop. Comme il faut. Clac. Alors là, je vais essayer de le tourner un peu dans un autre sens. Hop, on se positionne pour être à peu près bien. Hop là. Mince, j'ai cliqué. Ça va pas, ça. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ah, comme ça, c'est pas mal. Ok, c'est pas grave, ça ira très bien. D'ailleurs, il faudra mettre des rambardes. Ce serait pas mal là aussi. Parce que. Hey. C'est un peu dans le vide, hein. Encore des déchets. Ils sont pénibles ces gens, hein. Il y a des poubelles partout là. J'en ai mis plein justement autour du truc. Mais il faut qu'ils balancent les déchets par terre. Ah là là, ces gens indisciplinés, je te jure. Alors là, hop. Hop. Clac. Non, c'est un peu trop similaire. Hop là. Oui, il faudra qu'on aille faire la l'espèce de fontaine là qu'on avait dit qu'on ferait aussi. Attention, faut pas qu'il puisse. Faut quand même pas qu'il puisse escalader l'allégorie. Ouais. On va peut-être mettre un autre rocher comme ça là. C'est le même, on va peut-être en prendre un autre. Un truc comme ça. Voilà. Ok. Comme j'ai dit la dernière fois, j'aime vraiment trop les musiques de ce jeu. Oh, punaise. Ça détend vraiment. Enfin, même de toute façon, ce genre de jeu, moi, ça me détend. J'aime y passer du temps à faire les choses bien. Hop. Et hop là, claque. Hop. De toute façon, là, on va pas avoir le choix de faire un truc qui monte. Est-ce qu'on peut mettre un gros là? Un gros comme ça. Faut que je sois en alignement en hauteur là. Voilà, comme ça. Clac. Faudrait pas que je dépasse ça en fait.
Oh, remarque, je peux partir un peu en... Oui, je suis pas obligé de partir comme ça. Là, je pourrais prendre un espèce de gros... Il est où le gros et long? Celui-là. Là, je pourrais partir un peu comme ça. Hop. Clac. Voyez ce que je veux dire? Hop, partir un peu comme ça. Histoire que là-dessous on puisse avoir de la place pour qu'il soit à l'abri. En fait, je pourrais même directement faire. Ah! Des fois, c'est un peu merdique ça. Hop! Je pourrais directement coller ça dessous. Comme ça. Ce serait pas mal, en fait. Directement coller dessous. Hop! Légèrement comme ça encore. Hop. Là, on est pas mal. Non. Qu'est-ce que vous en dites? Oula. Des fois, les vues, c'est un peu capricieux. Là, si lui, je le mets. Comme ça un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Ensuite, ici. Clac. Bon, désolé, on va passer un peu de temps à faire de la création aujourd'hui. Puis la prochaine fois, on fera un peu plus de gestion. Bah déjà, je pense que la dernière fois, on a dû faire plus de gestion. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de création pure. Enfin, je sais plus, remarque, je me rappelle plus ce que j'ai fait. La dernière fois. Hop. Alors là, il faudrait mettre du gros rocher. Comme ça. Je suis toujours en taïga. Ouais, hop. Des fois, on peut ne pas s'embêter aussi, hein, faire prendre du gros comme ça, hein, pour aller vite. Ça se voit pas trop en général quand on fait de la copie, si on les fait un peu tourner comme ça se voit pas trop que c'est les mêmes. Hop, après j'aurais peut-être pu alterner avec certains autres comme ça. Hop. Ça traverse pas là, non, c'est bon. Là, on va mettre un plat. Ah, il est pas assez épais celui-là. Celui-ci est pas mal.
Tchouk. Hop, voilà. Là, vous voyez, on dirait même que c'est le même celui-là, alors qu'il y en a deux. Hop, ici, on va faire pareil. On pourra mettre une petite déco là, ce serait sympa. Vous voyez, sur un espèce de truc à plat là, comme ça là. Là, si je mets le gros rocher comme ça là, on pourrait mettre une petite statue ou un petit truc. Ouais, hop. On verra ce qu'on peut mettre. Check. C'est pas mal, on a une espèce de trou là, on va y voir. Voilà, faut que je me change ma vue, voilà. Est-ce que là, on peut pas trouver un truc pour boucher ce trou? Alors lui, il aurait été bien, mais dans l'autre sens. Chuck. Hop. Comme ça l'aurait bien fait. Je pense. Ok, voilà. Par contre, tac. Des fois, on met la rotation à 45 pour que ce soit plus facile à le mettre bien droit. Hop. Parce que ça a bouché tout le trou. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça le fait, ça suffit. Ça suffit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme gros encore? Celui-ci, mais c'est un gros plat. Ah, celui-là, on aurait pu le mettre dessus, là. À la place de celui-là, ouais. Il aurait été pas mal, celui-là. Alors, attendez, celui-là. On va le descendre. Tchouk. Quelque chose comme ça. Hop, ok. On va reprendre celui-là, du coup. Hop, et on va le mettre ici. Paf, comme ça. Check. Ok, maintenant il faut qu'on s'adapte ici. Hop. Quelque chose comme ça serait pas mal, je pense. Oh, c'est pas la même couleur ça. Toundra. Eh oui, je suis descendu trop bas. Encore une fois. Encore une fois. Soit à peu près au ras là. Voilà. Ok, c'est pas mal comme ça. Oups, c'est pas ça que je vais faire du tout. Hop là. Voilà. Ok, donc là c'est pas mal. On mettra peut-être des poteaux en bois. On verra. Ok, donc maintenant à l'intérieur, là, comment on va faire pour que ce soit à peu près bien? Là, on va être obligé de mettre des trucs comme ça, là, plat. Sinon, ça va pas le faire. Allez, hop. Tac. Hop. J'ai pas pris le bon encore. Voilà.
Ça marche pas, ça. Voilà. X. Je suis à 45. Voilà. Ok. Hop, ok. On va changer un peu de rocher pour changer de couleur. Hop. Là, on va le faire tourner un peu aussi. Ok. Là, il va falloir qu'on fasse un plafond aussi. Ça va malgré le... Oups. Malgré le sol même rocher, y a pas, c'est pas trop trop répétitif la texture. Ça, on arrive à faire quelque chose de d'assez changeant. Hop. Ça va faire une belle grotte. Peut-être qu'on pourrait mettre un espèce de pilier là. C'est un peu petit ça. Là, si je continue tout droit, pouf, ça m'amène quelque part par là. Hop. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on n'a pas traversé avec les pierres? Non, ça va. Ça va, ça va. Ça c'est trop petit. Ça ce serait pas mal. Ouais, nickel. Là on va reprendre le grand tout plat là, celui-ci. Voilà. On va le mettre à plat comme il faut. On va le mettre genre comme ça. Mais je me suis encore bourré, non? C'est quoi ça? Toundra. Taïga. Pas possible ça. Et pourtant ils sont vachement plus gris là, alors que là ils sont vachement plus jaunes. J'aurais dû le voir quoi. Ah, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est ça que je voulais faire. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Ok, ensuite là. Un peu mal celui-là. Celui-là ira bien là. Voilà. Ok. Là, celui-là, on va le dupliquer par là-bas. On peut faire comme ça. On va le récupérer pour le mettre à plat ici. Ok, faut qu'on vérifie qu'on dépasse pas. Ah, là, on dépasse un peu l'intérieur. Oh, là aussi. Alors. Hop, et hop là, voilà.
Qu'est-ce que ça donne là? Voilà, on peut boucher les petits trous avec des petits cailloux. Je crois qu'il y en a des petits. Ouais, des trucs comme ça. Hop. Voilà. Ok. Là, ça c'est un peu gros. Ça fera l'affaire pour là, je pense. Hop. Avec un autre petit comme ça. Voilà. Voilà. C'est pas mal du tout, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Hop, là on va continuer l'espèce de façade. Hop, clac. Là, je crois que c'est avec des rochers comme ça que j'ai fait mes rambardes en pierre à un endroit là. Hop. Ah voilà, nickel. Ça va être le bleu, ouais. Ah, c'est pas mal comme ça. Hop. Ici. Attendez, c'est quoi ce rocher? Ah ouais, non. Je suis où là? Je suis où? Je suis là. Est-ce que je traverse là, je pense? Ah non, même pas, ça va. Ok, et du coup, bah on est bien du coup. Ok. Alors là, il reste le plafond à faire. Ça va pas être trop long. On va faire. Clac. Oups. C'est pas ce que je voulais faire ça. Hop, là on récupère ça. Chuck. C'est de même en fait. Ah mais j'ai pas resectionné l'autre. Voilà. Hop. Allez, on fait ça bien. Bon, ça fait pas très réaliste, j'ai envie de dire, du coup. Hein? Mais bon. C'est pas grave. Alors là, faire gaffe parce qu'il y a escalier derrière. Alors, ah, j'aime pas ces vues, des fois ça fait des trucs un peu bizarres. Ok, donc là on est pas mal. Là ça fait bien le tour. Là on a un truc sympa. Là on pourra peut-être rajouter des trucs comme ça après. Juste histoire de donner un petit peu de volume à notre truc, que ça fasse pas trop anguleux, en espérant qu'on passe pas au travers. Et non, nickel. Ah non, j'ai cru, c'est bon, tout va bien. Ok, voilà. Donc là, on est good. Maintenant, il va falloir faire un espèce de mur ici, là.
Alors, choc. On va stopper des gros rochers, ça va aller vite. Voilà, je me trompe de bouton. Hop. Ok, donc là ça va être bien. On va pouvoir les mettre direct après, ça se trouve, nos gorilles. Hop. Ok, on n'a plus qu'un petit trou allongé un peu. C'est trop petit ça, mais. Très bien. On aurait essayé d'arranger là pour que ça fasse quelque chose d'à peu près réaliste. Ah, il y a un petit trou là. Oh, il est. Oh là, oh là là. Il faut que je m'habitue à changer quand je suis prêt comme ça. Voilà, de vue de caméra. Voilà. De façon de pivoter. Ok, donc ici. Mettre ça peut-être comme ça. OK. On est bien là. On est bien, bien, bien. Ok. Nickel, maintenant plus qu'à poser ceci. Ah oui. Comme ça, voilà, il y a ce mode de pivotage, donc on pivote sur un point qui est à peu près placé là en gros. Et il y a le mode si j'appuie sur T, maintenant je pivote, enfin, c'est la caméra qui pivote. Et il y a un mode qui va plus vite en déplacement. Ce serait bien de pouvoir verrouiller la caméra aussi. Ça serait cool. Alors là, on va mettre un comme ça. Un comme ça. Comme ça. Ouais, en fait, tout ce que j'ai fait là, ça. Ah non, si c'est bon. J'allais dire ça sert à rien, mais si c'est bon. Ah. Hop. Allez, on va dire que ça ira très bien. Voilà. Là, on va faire quitter là. Hop, donc là on a notre. Ah, je me suis mis là-dedans ce truc-là. Ouais, bah, c'est pas grave, tant pis. Ok, on va se mettre ici. On va cliquer là-dedans. Passerelle avec rambarde. Voilà aussi d'ailleurs, tiens. Ok, et si la dernière je la mets avec des rambardes là? Est-ce que c'est gênant? C'est parfait, c'est dans mon bâtiment. Ok, nickel. Nickel.
sont pas super jolis ces rambardes, mais bon. Si je m'amuse à faire des rambardes ici, ça va être la galère. Ça va être la galère monstre même, je pense. Ok, très bien. Et ben voilà. C'est stylé. Donc maintenant, moi je voulais mettre des trucs ici. Ah, ça c'est les nouvelles statues à l'île de Pâques un peu. Amérique du Sud. Qu'est-ce que j'ai comme statue? Jaguar en bois. C'est pas mal. Mais là, il m'aurait plutôt fallu genre une girafe par exemple. Vu qu'on est sur de la girafe là. Clac, quelque chose comme ça. Oui. Avec un espèce de machin design comme ça. Voilà. Ok, des petits pots on mettra. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est quoi ça? Une sculpture. C'est stylé ça. C'est super stylé. C'est sachant que c'est un truc de Planète Zoo, ça. Hein. C'est pas un truc que j'ai trouvé sur internet. Ah ouais, il y a des sculptures comme ça, c'est trop bien. Oh, il va falloir que je déblaye un peu les fontaines base ronde. Ah, stylé, on peut faire des fontaines. Oh, trop bien. Je vais m'éclater à faire des fontaines. Oh, il y a tout ce qu'il faut, c'est stylé. Ça va être compliqué, mais c'est stylé. Bon. Du coup. Voilà, c'est pas mal, hein. Ça reste sobre. Ça reste sobre, on peut y ajouter genre. Moi j'aurais bien ajouté un ou deux pots là. Truc comme ça, vous voyez. Clac. Voilà. Juste histoire de dire. Voilà. C'est pas mal, hein. Que ça fait bien. Je trouve que ça fait bien. On va pouvoir faire un truc un peu pareil ici. Peut-être différent. Qu'est-ce que c'est que ça? Suspension. Non. Une Jeep! Elle passerait. J'aurais pas pensé, mais si. Je sais pas, on verra plus tard là. J'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées là comme ça. Bon. Donc là, nos gorilles, maintenant, ils sont nickel. Donc on va pouvoir leur mettre des couchages en feuilles. Parce que ce sont des gorilles. A priori, ils dorment dans des feuilles, je dirais. Il reste un bout de bois là, c'est pas grave. Ah, il y a différents niveaux d'élévation là. Ça va faire bizarre. Ça fait très bizarre, ça fait très très moche même. Du coup, on va laisser comme ça là. On va en mettre des petits comme ça. Voilà, tant qu'ils ne volent pas. Voilà, c'est ça que je voulais pas qu'ils volent comme ça. Ça fait pas terrible.
pas ouf. C'est pas ouf, ça arrive pas à modifier le terrain en fait. Alors, terrain. Hop, aplanir. On va le mettre au niveau de ça peut-être. Allez, pourquoi ça marche pas? Voilà. Ah, c'est peut-être ces trucs qui empêchent. On va y enlever. Hop. Terrain, aplanir. Voilà. Nous sommes tous à la même hauteur. Et maintenant, on peut retourner dans les habitats. Il y en a des touffés qui sont très jolis, hein. Mais bon, ça, on verra plus tard. Alors, les couchages, cloque, cloque. Voilà. Voilà. Ça, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour se coucher ici. C'est parfait. Grégory, ils vont avoir besoin d'escalader. On va leur mettre une porte ici. Là, j'espère que ça va passer. Clôture. Porte en bois. Hé, ça ne se rejoint pas. Là, on va tuer ça. On va mettre une porte. Ah, je suis obligé de mettre le mur avant la porte. Ah, attendez, non, hop, on va se mettre là. Non, lâche-moi, voilà. On va se mettre par là. Ok. Et maintenant, si je mets une porte. Comme ça. Allez. Voilà. Ça ira bien. Hop. Ça ira très très bien. Et là, on va passer ça. Ça. En bois comme ça. Avec. De l'anti-escalade de ce côté, c'est du bon côté, ouais. Très bien. C'est marrant comme ça fait ce truc anti-escalade. Bon, j'aime beaucoup cette zone avec cette cabane en haut là, quand même. Hein. C'est vraiment stylé, quand même, je trouve ce que j'ai fait là. Est-ce que les soigneurs peuvent venir la nettoyer? Est-ce que c'est sale en haut déjà? Non, c'est pas ça. C'est là. Propreté. Ah bah ça va, ils font pas caca dans leur cabane. Ils font caca en bas là. Très bien. Très bien, très bien. Ça c'est tout dégueulot là-bas. Ok. Faudra qu'on mette un truc de traitement de l'eau, mais on en aura un là, on va avoir une zone. D'employés. Hop. Donc là c'est pas mal comme c'est fait déjà. Alors là du coup on va prendre. Ah non, faut que je termine parce que l'enclos n'est pas terminé. Clôture. Alors on va prendre de la clôture invisible. Là ils vont pouvoir passer ici, non? On va y mettre des rochers. À partir de là. Ok, donc je ne peux pas, faut que je parte d'ici. Est-ce que là je peux aller là? Nope. Terrain est trop irrégulier. Bon, déjà on va faire comme ça. Paf. Pouf.
Poum. 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 Voilà, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire quand c'est en jaune. Donc là, on est bon. Celui-là, on va le monter hyper haut. Je peux toujours pas faire ça. C'est une barrière invisible, putain, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je pense que quand c'est jaune, ça veut dire que c'est traversable. Je suppose. Mais je suis même pas sûr. Ok, donc là on devrait avoir un enclos fermé maintenant. Ouais. Très bien. C'est parfait. Statut de la clôture. Ah bon? Là, l'abîmé peut-être. Je ne sais pas. Ou ici. On va appeler un mécanicien. Quoi qu'il en soit. Ah, mais de toute façon, ce truc-là n'est pas dans une zone du personnel. Tiens, ça c'est un truc à faire que je gère aussi. Singe d'Afrique. On va rajouter ça dedans. On va rajouter ça et ça. Et ça et ça. Voilà. Là, c'est la zone 5 d'Afrique en vert. Gérer ça, 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 ça. Ça fait pas mal de choses, hein. Ok, ça, faudra le faire gérer par une autre zone. Voilà, on va dire que c'est ça, hein. On va dire que c'est cette zone-là. Ça, ce sera celle-ci plutôt. Est-ce que je peux changer de zone là? Ça va de centre. Voilà. Hop, on va ajouter ça. Ça, ça et ça. Voilà. Bah c'est pas mal ça. Et les zones éléphants, ils ont quoi? Ça, ces deux trucs là-bas. Voilà. Très bien. Cool. Les zones de travail sont pas mal. On va pouvoir mettre nos gorilles. On va voir ce que ça donne. Change d'animaux. Allez, les trois gorilles là, on va les envoyer ici. Et c'est parti. Ah oui, j'avais mis des animaux là. D'ailleurs, j'ai vachement monté là. Depuis un petit moment là, je pense que je vais aller voir. Je peux pas aller voir comment c'est où déjà. Finance. Bénéfice totaux graphique. À mon avis, j'ai vachement monté. Qu'est-ce que c'est en noir? Bénéfice. Ouais, ça monte un peu là. En violet, c'est les dons. Ah, ça a diminué, tiens, les dons, c'est marrant. La ligne de 0, elle est là. Ouais, non, pourtant les courbes ont l'air de descendre un peu, c'est marrant. Attraction locomotrice, ça on va le faire bientôt. Marketing. On peut faire des pubs et tout. Campagne en ligne. Ne plaît pas à tout le monde. Impact important. Ça va me ramener masse de visiteurs, mais vu qu'on est déjà. Vu que mes visiteurs ils sont déjà très serrés, surtout ici là. Ouais, mais là, là, la zone du début là. Heureusement qu'il n'y a pas le Covid. Hein. Ce serait bien qu'ils se répartissent en fait. Je pense que là, il faudrait que j'essaie de créer comment ça s'appelle, un téléphérique là. Les gens ils prendraient le téléphérique d'ici pour aller ailleurs. Oula, je regardais pas du tout le temps passé. Je suis déjà à 49 minutes. Très bien. Très bien, très bien. Et ben on va mettre nos gorilles et puis on va attendre de voir. Là, à mon avis, c'est pas assez haut là. Ok, c'est moche. Faut que je monte ça plutôt. Voilà. Et ça. Voilà. Ok, je sais pas s'ils peuvent escalader ce truc en brique là. Je sais pas. On va voir déjà. On va attendre qu'ils arrivent dans notre enclos.
Et on va leur mettre enfin on va préparer leur habitat. Ok, ils arrivent. Hop, hop. Allez. Un gorille. Hop, on met pause. Alors, terrain. Les abris, c'est bon. Le terrain, il leur faut beaucoup moins d'herbes longues, donc de la roche plutôt, et de la terre, beaucoup de terre. Alors ça, c'est pas compliqué. On prend la terre, on prend un pinceau large. Hop là. Clac. Ils ont encore trop d'herbes longues. C'est l'herbe longue qu'il y a là-bas là. Et pas assez d'herbes courtes. Voilà, on est bon. On est bon. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Ok, très bien. Ensuite, les plantes. Il faut qu'il y ait des plantes tropicales d'Afrique. Alors, nature. Attends, eux, ils ont besoin d'escalade, hein. Je pense. 40 mètres carrés. Ah oui, la taille de l'habitat, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ah, ils ont de quoi escalader? Ou ça veut dire qu'ils peuvent escalader ici, ou je sais pas où là. C'est pas bon ça. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Ah oui. Ah oui, ils peuvent escalader tout ça. Merde. Merde. Ah. Ah. Ok, donc on va mettre des rochers là un peu. A priori, c'est juste les piquets, hein. Ils ont pas l'air de pouvoir escalader ici. C'est juste ces trucs-là qui peuvent escalader. Alors, on va enlever ça, on va enlever ça. On va aller dans la nature. Des rochers taïga, hein, ça. Ouais. On va y mettre des rochers là. Pour pas qu'ils escaladent. Ça les empêcherait d'escalader déjà. Ce serait bien.
Allez, oh, ça bug à chaque fois que j'en place un. Ok, est-ce que je suis passé au travers là? Non, c'est bon. J'espère que ça va suffire. Ok. Alors là, on va refaire. Allez, oh, ça lag là ce soir. Ok, là on va refaire ça. On va refaire ça. On va refaire ça. Fais-moi le calcul. Oh, ils peuvent encore escalader. Ah. Ah, voilà. Très bien. Parfait. Nickel. Ben voilà. C'est parfait. Alors, ouais, par contre, ils ont plus de trucs pour escalader maintenant. C'est nickel. C'est ce que je voulais en fait. Les plantes, on a dit tropicales. Bon, allez, on va faire encore 5 minutes, histoire de mettre quelques plantes. Et après, on va s'arrêter. Alors, thème, non. Moi, je veux biome tropical et continent Afrique. Par contre, je veux les arbres. Voilà. Tropical Afrique. Un figuier, machin. Ouais, des arbres comme ça, c'est pas mal ça. Au bord là. Comme ça, je toque. Voilà. C'est marrant, j'aurais pas du tout dit que des arbres comme ça pousse en Afrique. Des saules pleureurs là. Ouais, ça c'est pas mal. Ça fait. Ça prend. Ça couvre vite un peu du terrain. C'est vite joli. Petit bananier là. Hop. Ah, de la mangrove, ça c'est stylé. Peu comme ça là. Ça, la mangrove, ça fait des trucs denses. Ah, faut falloir que je fasse gaffe que les arbres soient pas trop près. Qui puisse monter là-dessus. Hop. Clac. J'aime bien, ça fait des petits buissons là. Hop. Ah, ça c'est du gros gros arbre. Hein. Ok. Là, on pourrait mettre des trucs comme ça là. Des grands trucs comme ça. Ça c'est grand. C'est pas très grand ça. J'aurais voulu des trucs comme ça, mais plus grands moi. Alors, attendez, hop, déjà on va y mettre ici. Attendez, on va faire plus simple. Oh là là, mais dès que je fais cliquer ou annuler, ça rame là. C'est pénible ça. J'avais pas des plus grands, non, j'avais pas des plus grands de ça. Alors, les singes pour moi c'est plutôt jungle africaine. Donc j'aurais plutôt eu tendance à dire que ce soit hop comment dire qu'est-ce que je voulais dire je sais plus ce que je voulais dire mince oui une forêt tropicale un peu plutôt l'endroit où ils vivent. Du coup, plutôt beaucoup beaucoup d'arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Plutôt beaucoup beaucoup d'arbres. C'est quoi ça?
Ce n'est pas Nani aussi, ça? Cocotier, non, pas trop, ça me plaît pas bien les cocotiers, moi. Hop, ça c'est tout petit, c'est pas terrible. Ça fait des beaux petits buissons comme ça. Ça aussi j'aime bien comme ça fait. Allô, quitter. Ah mince. On est pas mal là, non? Moi je vois bien un truc bien dense, voyez, avec des buissons comme ça. Des buissons, des arbres, un grand arbre comme ça. Hop. On pourrait mettre une liane entre les deux arbres. Elle va pas être assez grande à tous les coups. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Bon, déjà on a des arbres. Lui, il est pas du tout mis comme il faut là. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ok. On pourra rajouter un peu par là-bas. Ok, bon, je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo parce que on a dépassé l'heure déjà. Bon, c'est pas mal, je trouve. On a des petits buissons, c'est sympa. On a de la végétation. Oula, le bananier, il vole là. Le bananier, il vole. Ok, ça manque un peu. Je vais étoffer tout ça, moi. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas du tout, on va étoffer. Allez, donc moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne continuation et puis ben, on continuera ce let's play la prochaine fois. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, salut à tous, ciao!